Virginie Martin est une entrepreneuse dans l'âme. Mille et une beautés, son institut d'esthétique et de cosmétique fait le bonheur de ses clientes. Allons nous détendre. Mes activités, épilation, soins du visage, soins du corps, beauté des mains, beauté des pieds, pose d'ongles. J'ai commencé à 20 ans en tant qu'esthéticienne à domicile. 2 ans après, j'ai racheté une onglerie que j'ai transformée en institut de beauté. Et 2 ans après, me voilà ici. On est passé de 65 mètres carrés à 300 mètres carrés, donc en institut de beauté. Cindy est en train d'effectuer une pose de masse donc au chocolat. Donc là, ça va être une pose de masse donc pour l'éclat. J'ai 3 filles qui travaillent à l'institut, donc Cindy, Coralie et Claudie. Et j'ai également des intervenants extérieurs, donc Thierry Gobeau pour la réflexologie plantaire. La réflexologie plantaire, c'est un modelage pour les pieds, donc pour apporter du mieux-être. Et également, j'ai Carole Beauté qui travaille à l'Institut. Donc là, c'est le tatouage semi-permanent pour le visage. Donc pour avoir une mise en beauté tout de suite au réveil. Donc on va avoir le tatouage au niveau des yeux, de la bouche et puis des sourcils. Alors ici, on a une prestation de maquillage, maquillage soir, donc effectuée par Coralie. Donc vous voyez, dans l'Institut, principalement, on a une clientèle féminine, à peu près 90% de notre clientèle. Et on commence à développer un petit peu notre clientèle donc, vers les hommes, notamment par les bons cadeaux qu'on a pu faire donc, pour Noël, plus pour des massages, on va dire, duo, des massages en couple. J'ai un certain nombre d'équipements à l'Institut. Celui-ci, c'est le CELU-M6. Donc, c'est un appareil pour la minceur, pour remodeler une silhouette. Les clientes qui prennent une cure, donc ça marche par cure, donc par un certain nombre de séances. Quand après elles continuent en entretien, pour les fidéliser en entretien, elles ont une remise en fait sur leurs soins si elles viennent tous les mois. Et tous les ans, au mois de mars, je fais des promos régulièrement à l'Institut. Donc on a une promo pour les nouvelles clientes et puis une promo pour les clientes qui ont déjà fait du CELU-M6 l'année d'avant. Et également une autre pour celles qui viennent donc tous les mois. Alors le PowerPlate, eh ben, c'est la dernière machine que je viens de rentrer donc grâce à la Banque Populaire. C'est une machine donc, pour une tonification musculaire. Donc on va pouvoir l'utiliser en même temps avec le CELU-M6. Voilà, donc ça aide vraiment pour raffermir, pour venir tonifier au niveau des muscles également. Très très bon pour le retour veineux et lymphatique. La femme, en fait, elle a été dessinée donc, ici et sur mes rideaux extérieurs. Donc, ce qui me permet de faire de la publicité, de l'avoir sur mes cartes de fidélité, mes bons cadeaux, mes tarifs. Donc ça fait un visuel pour les gens. Alors j'utilise la marque Jean Destré. Donc c'est un coup de cœur parce que c'est une maison familiale. Et la particularité, c'est qu'une partie des produits sont faits en Berry-en-Bugey, donc à l'entreprise Alpol. La Banque Populaire, c'est un partenaire. Mon conseiller financier me fait confiance, me suit depuis le départ, depuis la création de Mille et une beautés. Ça a permis donc, les investissements ici, donc, du local et puis du matériel, des nouvelles machines. Et surtout, j'ai encore un autre projet à l'étage de 70 mètres carrés. Donc je compte sur la Banque Populaire de me soutenir encore. Donc ce sera un projet pour un spa, hammam, sauna, jacuzzi, pour plus développer sur cette tendance. Regardons tout de suite comment Franck Akenin, son conseiller Banque Populaire, garde le contact avec sa clientèle. Séquence bien huilée. Allez, on est parti. Je vous suis. Je garantis pas du résultat, mais bon. C'est une première fois? C'est toute une première fois, oui. Allez, suis. On descend le long de la colonne. Hop, il se débrouille bien, hein? Bah pour une première fois, c'est pas mal. C'est réussi. Bonne réussite. Merci Michel. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.